Bonjour Didier, comment vas-tu? Bien. Bien, merci. Bien? Bien de bien? Ouais, très voilà. Bien. Tu sais qu'on est le lundi 30 janvier 2017. Et ça jusqu'à 23h59. Ouais, jusqu'à demain. Ouais. Jusqu'à 23h59. Parce que demain, c'est plus aujourd'hui. Ouais. Hein? C'est plus. C'est hier. Quand on est demain, c'est hier. Exactement. Alors, tu sais que tu peux changer de position à tout moment si tu es dans une position plus confortable. En même temps, si une suggestion ne te convient pas, tu peux la modifier, la refuser ou même la changer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas pu intégrer tout ce que j'ai dit. Et tu sais qu'il y a quelque chose qui est incroyable sur le fonctionnement du cerveau. Ma passion, c'est le fonctionnement du cerveau. Cerveau gauche, cerveau droit, voilà. Et je voudrais que tu pointes ton pied droit comme ceci. Voilà, le point, comme ça. Et tu vas faire des ronds. Voilà, lentement, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et en même temps que tu es en train de faire dans le sens des aiguilles d'une montre, je voudrais qu'en même temps, tu fasses un 6 avec ta main droite. Et du coup, je te demande de rester concentré sur là, le pied droit. Voilà. Est-ce que ton pied droit est intelligent? Est-ce qu'il obéit à ce que tu lui dis de rester concentré sur ton pied droit pendant que tu fais, qui tourne dans les sens des aiguilles d'une montre et que tu fais un 6 à main gauche et dors totalement, complètement, parfaitement et laisse-toi totalement aller, totalement aller, totalement aller, complètement, parfaitement, totalement. Et là, on fait approfondissement après. C'est une induction qui est une rupture de pattern, mais gentille, pas méchante, pas comme on voit dans la street hypnose. Voilà, et tu vas te réveiller en pleine forme, te sentant mieux qu'auparavant, avec la capacité d'enregistrer tous les exercices, de comprendre tout ce qui va être dit durant cette formation d'hypnose, à 10, totalement réveillé, les yeux ouverts, en parfaite forme, 1, 2, 3, 4, 5, les pieds bien au sol, 6, tu bouges les mains, les pieds, les jambes, 7, la tête, 8, tu prends une grande inspiration, 9, tu t'étires, 10, les yeux ouverts. Bonjour. Bonjour. Je sais parce qu'il me demande à chaque fois des inductions hein, rapides. Oui. Ouais, je sais, tu m'avais posé la dernière fois. Elle t'a plu celle-là? Ouais, elle est pas mal. Quoi? Elle est perturbante. Ouais. Elle est perturbante. Pour un mental ou quelqu'un qui veut analyser, parce que comme il ne sait pas ce que je vais faire, je ne l'ai jamais montré, il essaie de réfléchir. Surtout pour des gens qui sont déjà des stagiaires, des pratiquants, tu tournes et vous pourrez essayer de tourner dans le côté droit quand tu vas faire le 6. Vous voyez, moi je le fais sans problème. Je me suis entraîné à dissocier. Ouais, mais c'est l'entraînement. Non, tu étais dans le sens inverse. Vas-y, non. Dans le sens. Voilà, mais ça y est, il est en train de... Et oh, c'est quoi la logique? Voilà, on va en faire une autre, d'accord? T'en veux une autre? Oui, je veux. Ok. Et vous allez voir, elle peut être intéressante pour vous aussi. Ça l'a... Donc, tu fais tourner le pied, et quand tu fais tourner le pied, tu fais tourner le 6 avec la main, et forcément, ça part dans l'autre sens. Ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Quand tu fais le 6, ça tourne dans l'autre sens. Tu essaies de concentrer, la personne porte son attention. Au lieu de faire kappa, où tu fais la saturation de tout ce qu'on a vu, tu peux faire ça, c'est génial. Ouais, super. Voilà.